Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Azertiroas pour les intimes. J'espère que vous allez bien, moi c'est très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Sot Chart. On va exprimer notre art, notre talent, notre créativité à travers cette vidéo. Et ça va être, ma foi, exceptionnel, voire même formidable. Est-ce que j'ai fait des choses en off? Je sais plus du tout. Je vous sais peut-être. Est-ce que courbe, je voulais montrer ou pas? Voilà, regardez, j'ai fait courbe, magnifique. Sinon le reste... Ah oui, chant de fleurs, j'en étais plutôt content. Je sais pas du tout si vous les avez vus, ceux-là. Fame, vous l'avez vu. Et le reste, je ne sais plus. Bref, beaucoup de talent, beaucoup de talent. Et puis, on va rentrer. Oui, j'ai fabriqué ça, ça me permet d'imprimer des petits titres. Des petits titres de tableau. Et ça fait plutôt plaisir. Alors, on va se faire des tableaux. On va vivre une époque, ma foi, agréable, ma foi sympathique, et on va lire nos mails. Alors, un grand avenir, blablabla, j'ai lu votre art, je vois une grande tension dans votre sous-cosmique, votre karma intérieur doute. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais je vois aussi la lumière au bout du chemin, une lumière très forte, très aveuglante, elle brûle, serait-ce des responsabilités, une décision à prendre, vous seul le serez bientôt, lorsqu'enfin le moment sera venu. Décevant, ok. Un de vos tableaux a été vendu. Très bien. Petbot. Pose ce photo immédiatement. Écoute-moi, je t'ai envoyé un colis. Dans ce colis se trouve un robot du genre petit, mignon et prototype. Ce robot est mon projet de fin d'année en robotique avancée. Il n'en existe que 3 modèles dans toute la galaxie. D'accord? Bon, le but, c'est que tu t'en serves dans ton studio pendant que tu fais tes trucs d'artiste. Là, le colis devrait arriver dans... je sais pas. Eh bah, trop bien. Voilà. PNB ajouté au marché. Très bien. Du travail pour vous. J'ai pas le temps du travail pour vous. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah oui, j'ai dessiné un peu sur les murs. Regardez avec la perspective, ça rend plutôt bien. J'ai chié par terre aussi, voilà. J'ai commencé à peindre le parterre. On a 2700, on va pouvoir s'acheter un petit fond. Les dunes. Moi, j'aime les dunes. Allez, j'achète les dunes et je mets les dunes. Voilà, regardez, c'est relaxant, c'est reposant. On apprécie énormément. J'aime les dunes, j'aime les dunes et les belles courbes. Vas-y, récupère ça, hop, hop. C'est un de ces bordels. Ah, j'ai pas ici aussi, manifestement. Manifestement, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, petit cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Un beignet. Comment ça, un beignet? Un beignet, bah je vais le vendre ton beignet, je sais pas ce que c'est. Bon, de voir. Ça vaut 5, allez hop, ça dégage. On se fait de l'argent, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre, et ça... Oh, le robot. Et ça fait quoi, ça? Salut. Salut, mon gars. Tu fais quoi? Ok, je sais pas ce qu'il fait. Il me suit. Il a l'air chelou. J'espère qu'il va pas me chier dessus. Alors, attends. Commande. Tout type de poil. Beau gosse, professionnel. Il veut du romantique. 600. Lui, un vaisseau perd le contrôle, le sérédacteur, et s'enfonce dans Jupiter sur une grande toile. Ok, déjà, on va partir sur une grande toile. C'est parti. Changer la toile. On va prendre du comme ça, toujours du carré. Un vaisseau perd le contrôle. Ok. L'équipage est sauvé. Donc, un vaisseau perd le contrôle. Très bien. Et le vaisseau de ce chevalier en armure. Très bien. Et l'équipage est sauvé. Ok. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Casse-toi, casse-toi. On va... Déjà, il faut que ça soit... C'est quoi? C'est l'univers, a priori? Il faut que ça soit... Tu veux pas te casser? Qu'est-ce que tu fous, là, toi? Voilà, foutre là-haut. Il faut du noir. On va prendre du noir. Voilà. Et on va peindre. Voilà, voilà, voilà. Ça dégage. On va se faire une galaxie. On est d'accord, c'est dans une galaxie. Un vaisseau perd le contrôle, oui. Ok, donc il me faut beaucoup de noir. Alors, on dégage ça, on dégage le 7, et on se prend du noir. Et on se prend aussi un gris, parce qu'il faut faire des variantes des couleurs, tu vois ce que je veux dire. De la variété, de la variante, de la variante. Hop, on s'en met un gros pou, un gros truc là, ça dégage. Et ensuite, un là, un là, un là, et ça dégage. Ok. Oh, merde, je peux remonter dessus? Ah, je sais pas si... Ah non, c'est bon, ça redescend automatiquement. Ensuite, on va se prendre un comme ça et un comme ça. Histoire de faire un beau fond. Un là, un là, un là. Ok, ça dégage. Et le 7, le 7 gecko. Un là, un là et un là. Voilà. Maintenant, on nettoie notre pinceau et c'est parti. On le tourne.
C'est F, voilà. Et là, voilà, là on mélange les couleurs. Et là c'est beau, regardez ça, regardez ça. Regardez ces couleurs, cette teinte magnifique. Magnifique. Là, il y a à la fois de la technique, hein, ce qui est très important, mais qu'est-ce que la technique sans le talent? Bah rien du tout, de la merde, des petits pois cassés. Donc là, au moins, voilà, au moins là. Là, il y a des parties plus sombres dans l'univers. Là, il y a des parties plus claires dans l'univers. Voilà, comme ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. On va monter, hein. On va monter avec combien de sucre? Voilà, et là, hop, 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 tchac, tchac, voilà, des grands traits, des grands traits. Et voilà, c'est magnifique ce dont je suis capable là, c'est d'une beauté étourdissante. Voilà, on a un bel univers, on a un bel univers. Maintenant, il faut quand même des paillettes, un peu de paillettes. Donc on va prendre celui-là, voilà. On va se mettre en éparse. Voilà, merde, j'avais oublié que c'était tellement grand. Voilà. Ah, merde, là c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. On va compenser avec un comme ça. Voilà, un comme ça et un comme ça. Là, il faut compenser. Gras et éparse. Voilà. Compensons. Compensons. Ah, voilà. On est bien. On dégage. Et le 10 maintenant. Voilà, non, pas en classique, en éparse. Voilà. Là, on a un bel univers. On a un bel univers. Bon, maintenant qu'on a notre bel univers, il faut faire un vaisseau. On va faire le vaisseau. On va faire en contour de blanc. Contour de blanc. Je prends ce pinceau. Je le nettoie là. Je prends un blanc. Ça coûte de l'argent, mais c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. On se met là, voilà, une pin, deux pins, trois pins, ça dégage. Et là, on fait contour vaisseau. Contour vaisseau, d'ailleurs, je vais monter. Vaisseau en détresse, on est d'accord. Vaisseau en détresse, du coup. Comme ça. Voilà. Voilà. C'est la fusée de Tintin, là. Ok. Ça, c'est les réacteurs. Magnifique, on va faire des petites flammes. Voilà, avec ici la vitre. Alors ici les barres de, tu sais, les barres de tôle, tu vois, les barres de tôle qui composent le vaisseau, voilà, comme ceci, comme cela. Et là, c'est la vitre, et là, là-dedans, on voit les têtes des gens en mode, au secours, au secours, au secours, au secours, sauvez-nous, sauvez-nous, au secours, sauvez-nous, 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 sauvez-nous. Voilà, on est pas mal. Quelques couleurs, quelques couleurs. Voilà, comme ça, là. En mode. Voilà. Ok, c'est pas dégueu. C'est pas beau, attention, mais c'est pas dégueu non plus. On va se prendre un peu de jaune. Non, plutôt comme ça. Voilà. Et on va se mettre là des débuts de flamme, tu vois. Voilà. Là, c'est. On sent le vaisseau en danger. On sent que c'est. Voilà, là, il y a des flammes dans le cockpit. Là, il y a quelques difficultés. Tu vois, là, c'est. C'est un vaisseau qui est en danger là. Voilà. Ok. Ok. Vaisseau en danger. Et là, tu as le super vaisseau du chevalier là qui arrive en bleu. Un gros truc bleu. Voilà. Qui est là. Qui est là. On va pas le faire en entier. Voilà. Un beau vaisseau, il est beau, hein. Il est très très beau, il est très très beau ce vaisseau, on dirait un peu un suppositoire, mais il est beau quand même. Voilà, ça c'est, on reconnaît assez bien le vaisseau, on va faire des ailes comme ça. Voilà, on va même le peindre. Écoutez, voilà, c'est cadeau, c'est cadeau, on va le peindre. Voilà. Pourquoi en bleu? Je ne sais pas, j'en perds ma voix. On va se faire un petit ici là. Un peu de couleur. Voilà, c'est l'intérieur du vaisseau en blanc nacré. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici, ce que je peux, voilà, mettre comme ça, tac, 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 histoire de mettre un peu de couleur. Voilà. Est-ce que tu peux tourner le pinceau? Oui, magnifique. Et là aussi, oui, magnifique. Ok, donc là, on a le vaisseau, on reconnaît assez bien, et on a le chevalier dedans, Sir Magnificent, qui arrive. Hop. Qui arrive, il est en quoi? Il est en armure, mais
On va le mettre en comme ça. Et là, il arrive. Il est sur son vaisseau, hein, voilà, hop, en armure, là, faut le faire un peu balèze. Voilà. Ok, pas dégueu, pas dégueu, hop, avec le protège-téton comme ça. Et là, on a le casque. Voilà, avec les yeux. Voilà. Pas mal, pas dégueu, pas dégueu, de quoi respirer quand même. On reconnaît un peu l'attention de l'artiste quand même. Et là, il a ses bras comme ça, et à main nue, hein, je dis bien à main nue, voilà, il a une main au niveau du pénis. Il est en train de remorquer, voilà, ça c'est ses mains, de remorquer le vaisseau. Alors attends, ses poings, voilà, et là, il est en train de remorquer, remorquer le vaisseau, là, hop, attends, je lui fais des jambes un peu plus grosses, voilà, de remorquer le vaisseau. C'est très conceptuel, avec un câble, on va faire un câble blanc, on va se faire un peu plus grand, voilà, merde. Voilà, petit câble blanc, là. Hop, là, voilà, et là aussi, c'est une, c'est, je sais pas ce que c'est un pistolet à cordes. Voilà, une corde là, ok, il est en train, du coup, de remorquer le vaisseau, donc là ça va par là, tu vois, enfin ça c'est pour indiquer un peu la vitesse, mais dans le fond ça va par là, tu vois, je fais même une flèche pour indiquer au lecteur que ça se rapproche, et en même temps il a un jetpack sur le dos, voilà, comme ça, enfin c'est pas un jetpack, mais c'est en gros c'est un canon à eau, voilà, comme ça là, comme dans Mario Sunshine, et qui balance de l'eau, voilà, qui balance de l'eau pour éteindre les flammes d'Odoun, là, pour éteindre le feu, voilà, voilà. Faut suivre la vidéo pour comprendre l'histoire. Et voilà, et bien écoutez, c'est pas dégueu, hein. Il voulait quoi d'autre? Signal de détresse, un vaisseau perd le contrôle de ses réacteurs, l'équipage est sauvé, voilà. Et bien écoutez, ça me semble pas mal. Je rajoute une ou deux intempéries. Bougez pas. Allez, hop, voilà. Une intempérie là. Une intempérie là. Voilà. On en rajoute peut-être une dernière. Une verte, une verte. Voilà, une verte là. C'est de la morph d'alien. Et une tout là-haut. Allez, merde. Je voulais pas me... Allez, hop, voilà. On est pas mal. Ça me semble... Ça me semble halal, hein, ça me semble sympathique. On va signer, puis ça part au four. En plus, je suis même pas sûr qu'il me récompense. Hop, ce connard. Az, toujours faire une signature plus grande que la moitié des personnages. Et bah voilà. Changer de... Non, 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 arrête. Envoyez la peinture. C'est Sir Magnificent. Allez, ça dégage. Voilà. Alors, peinture suivante. On aura mis du temps, hein. Moi, c'est Johan, beau gosse professionnel. Non. Et lui, il veut quoi? Ah ouais, c'est le Krabux, là, le Krabux. L'art humain se vend bien, quelque chose de typique, comme une plage. Les monuments humains se vendent bien aussi. Vous pouvez faire de l'art avec un grand monument humain et une plage. Et ben, on va foutre la Tour Eiffel sur la plage du Touquet. Alors, attendez, bougez pas, je sors mon portable. Tour Eiffel, à quoi ça ressemble, la Tour Eiffel? Bon, c'est une tour avec de l'Eiffel, quoi. Ah oui, c'est ça. Ok, on va se faire la Tour Eiffel. Alors... Tour Eiffel à la plage. Il veut une grande toile, le fils de chien. Non, tout type de toile. Allez, on va le régaler avec une grande. La Tour Eiffel, elle est comme ça, la Tour Eiffel. Oula, ça, c'est une toile qui a fait du fitness. Ça, c'est une toile qui suit les comptes Instagram de meufs qui montent leurs fesses. Très bien, très bien, très bien. C'est pas grave. Écoutez, on apprécie, on apprécie. On se fait... Alors, attendez, je réfléchis. Une plage. Donc, les pieds dans le sable... Les pieds plantés dans un ruisseau, le sable. Ah, ça, ça me semble être pas mal niveau sable. Voilà. Ça, c'est du beau sable. Ah là, ça, c'est du beau sable, ça. Voilà. À ne pas confondre avec le Mossad. Vas-y, hop. Voilà. J'en perds vraiment ma voix. Ok, le sable, la mer, et puis le ciel. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tiens, dans ta gueule, dans ta gueule. Tiens, dans ta gueule, dans ta gueule. Voilà. Je vais lui refaire des yeux à ce con-là. Ça va lui apprendre à me juger. Mets du rouge, là. Voilà, mets du rouge. Voilà, regardez. Hop. Adorable. Adorable, robot. Ok, qu'est-ce que tu veux, toi? Tiens. Tiens, ça marche pas. Ah, si, ça marche. On a dit quoi? Du sable.
Eau, ciel. Ok. Eau. Voilà. Un mélange des deux pour faire l'eau. Ok. Voilà. Ok. 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 Beaucoup de... Vas-y, casse-toi. Ensuite, en 10. Pareil. 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 Ça dégage. Et pour le ciel, on s'arrangera. Pour le ciel, on s'arrangera. Voilà. Ouah, c'est beau. C'est beau. Ouah. Zertiran. Technique, hein, rappelez-vous, Bob Ross, humide sur humide. C'est-à-dire, on n'attend pas que ça sèche. On peint par-dessus. Comme ça, ça fait une nouvelle couleur. Ça fait des mélanges. C'est magnifique, cette couleur. Voilà. Là, on a la mer. On a la mer. Hop, qu'on voit danser. Allez, voilà. Hop. Voilà, des belles petites vagues. Pas mal, pas dégueu. Ah ouais, mais là, le ciel va être énorme. Ouais, le ciel va être énorme, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On aime le ciel. On aime le ciel. Ok. Et là, il faudrait de l'écume. L'écume des jours. Voilà, de l'écume. Regardez. Voilà. Je vais signer tout de suite, hein, au cas où. J'ai plus de noir. Ah si, j'en ai un peu là. Hop, signe. Voilà. Toujours des signatures dégueulasses. Le sable. Voilà. Magnifique. Et maintenant, le ciel. Un ciel dans les bleus marines, tu vois. Un comme ça. Et un comme ça. Et on va se faire le mélange. Pourquoi avoir... Tiens, hé, Michel, bouge pas, Michel. Merde, viens là. Viens là. Viens là, petite enfoirée. Viens là. Voilà, tu vas me servir de palette. Ok, parfait. Et... Non, ça dégage. 10. Viens là, viens là. Viens là, petite enfoirée. Viens là, viens là, viens là. Voilà, et encore un. Ok, nickel. Parfait, suis-moi maintenant. Allez, à la niche. Viens là, viens là. Il doit être tellement martyrisé, le robot. Vas-y, viens là, petite enfoirée. Voilà. Aïe, pardon. Ok, nickel. On va monter. T'es là, hein. Ouais, c'est monté là. Il me sert de palette, ce con. Vas-y. Alors. Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche. Et voilà, un beau ciel. Il faudrait un peu plus foncer. T'es où? Viens là, viens là. Nickel. Ah, parfait, parfait. Vous avez vu la technique un peu, hein? Se servir du robot comme palette volante. Ouais, ouais. Vous voyez pas ça dans vos let's play, là, ou chez vos youtubeurs préférés, chez vos streamers. Là, c'est quasiment du génie. C'est quasiment du génie. Ah, j'ai oublié que je devais faire une tour Eiffel, parce que là, pour l'instant, moi, je fais mes vacances en Sicile, mais... Voilà. Ok. Pas mal, pas mal. On va uniformiser, voilà. Alors, ok, nickel. Il y a quoi dans le ciel? Il y a des nuages de temps en temps? Ouais, il y a des nuages. Nuages, ça va être cette merde, les nuages. Voilà. Parfait. Il va me falloir sans doute plus de blanc. On dirait que là, on dirait que je suis en peintre en bâtiment, quoi. On dirait le sketch des inconnus. Là, parfait. Parfait. Ah, il y a de la technique, hein. Je suis pas mal, mais il y a de bonnes idées, tu vois. Il y a de bonnes idées, putain. Prenez-en de la graine, là, les artistes à la con. Prenez-en de la graine. Voilà, de la graine de cacahuète, là. On est bien. Hop, parfait. Parfait, parfait. Un petit nuage, là. Voilà. Voilà. Ah oui, on a oublié le soleil. Merde. Il est où, le soleil? Oh, le rouleau énorme. Il est où, le soleil? Le soleil. Ah, bien jaune, bien jaune. Jaune, jaune, jaune. Vas-y, remonte, remonte. Voilà. Parfait, ça dégage. Et là, là, il y a du beau soleil. Voilà. 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 Ça donne envie, hein. Ça donne envie d'être en vacances, d'avoir les pieds plantés dans un ruisseau. Et d'écouter chanter ce drôle d'oiseau. Et avec des rayons orange pour changer. Voilà. 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 Et on va même mettre un peu de variété comme ça. Ok. Pas dégueu. Pas dégueu du tout. On va reprendre ça. Parce qu'on l'a balancé pour rien. Vas-y. Nickel. Ça dégage. Et là. Voilà.
Voilà, c'est un soleil un peu chelou, tu vois. Voilà, et t'as le soleil un peu qui se ça fait des voilà des petits trucs lumineux. Ok, maintenant on peut passer à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle a une vieille couleur caca, hein, faut être honnête, la Tour Eiffel. Qui a renversé tout ça? Faudrait un robot qui nettoie. Il est où le robot d'ailleurs? Ah, il est là-haut. Ah, il est en veille parce qu'il en a marre d'être martyrisé. La Tour Eiffel, c'est du marron, mais un marron très chelou, genre. Un mélange de ça. De ça. Et un peu de ça. Voilà. Ok. Voilà. C'est du marron, ça? Ouais, c'est un peu immonde, mais c'est pas grave. De toute façon, les vrais peintres, ils en foutent partout. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, ça dégage. Et un peu de gris. Voilà, nickel. Et là, on va se faire une putain de tour Eiffel. Avec lequel? Avec le gros? Ouais, avec le gros. Alors. On est comment, là, en termes de couleur? Hein, on n'est pas dégueu, mais un peu plus de gris. Ouais, c'est pas mal, ok. Ok, pas mal. Pas mal, c'est à peu près droit. Ça fait à la fois tour Eiffel et à la fois tour dans le désert, tu vois. Ok. Ouais. Ouais, 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 là on est pas mal. Ok. Ensuite, il y a un étage. Ensuite, il y a une petite pin comme ça, voilà, encore un étage. Là, ça fait deux trous avec un gros pied là. Voilà. Faut quand même faire un gros pied, hein. C'est quand même la belle dame de fer. Voilà, voilà. Ici, là, ça déborde un peu. Il y a des rebords, tu vois. Nickel. Et d'ailleurs, là aussi, il y a des rebords. Hein. Ça, le diable est dans les détails. Et ensuite, là-haut, c'est à peu près bon. Voilà, c'est à peu près bon, c'est pas dégueulasse du tout. Et tout là-haut, on a quand même une antenne pour capter la 6G avec le vaccin du Covid. Voilà, comme ça. Et on va même se faire un drapeau français. Voilà. 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 Ok. Ensuite. Ça c'est là, voilà, ça c'est les bidules chouettes. Bon, c'est non, hein, c'est du métal, donc c'est du métal tressé. Enfin, tu vois, c'est des barres de métal, donc forcément derrière on voit le. Derrière, c'est normal, on voit le décor. Hein. Voilà. Ah ouais, non, c'est même des croix en fait. Hop, hop. Bon, ça va être long, ça va être long. Ça va être long, mais on a le temps. On a le temps. On est précis. On est précis. On est pointilleux, on est dans la précision, on est dans le travail de qualité. Voilà, on essaye de pas déborder. Pour l'instant, on y arrive. Hop, voilà. Pourquoi il y a des croix? Ça soutient, c'est ça? C'est en mode je coche les compétences dans son bulletin de troisième, en mode oui, en cours d'acquisition, acquisition. Voilà, voilà, voilà. Bon, elle est un peu malade, elle est un peu tordue, mais c'est normal, elle a 800 ans, la Tour Eiffel. Enfin, en tout cas, dans mon tableau, elle a 800 ans. Donc à force, les câbles, ils sont tendus, tu vois. Ah merde, j'ai plus de... Ok. Voilà. Voilà. En bas, ils sont un peu plus propres, un peu plus peints. Ok. Voilà. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Petit drapeau bleu, blanc, rouge et on aura fini. Hein. Et on reconnaîtra la Tour Eiffel, en tout cas de loin, de très loin. Bleu, blanc, rouge. Alors, du bleu, sans doute, bleu. Bleu, blanc, rouge. Dans quel sens? Bleu, blanc, rouge. Oui, dans ce sens-là, oui. Voilà. Voilà. On évite de déborder. On se concentre. Putain, déjà 25 minutes. 25 minutes de talent. Voilà. Du blanc. On en a du blanc. Oui, on a du blanc. Parfait. Ok. Voilà. Là, ils vont être impressionnés, les crabux, là. Les Krabux, ils vont être impressionnés. Et le bleu, on peut le laisser comme ça. C'est le bleu du feignant, mais c'est bien. Bleu, blanc, rouge. Monte voir de loin. On va faire des yeux quand même à tout soleil. Voilà.
Mais discret, tu vois, des yeux discrets. Parce que comme c'est fluo, on voit pas trop. Voilà. On doit voir un peu. De loin. Il disait quoi? La plage, c'est bon. Un monument, c'est bon. Bah on est bon. Écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Magnifique, hein. Et je suis assez fier de ce tableau. Il y a à la fois de la technique, du talent. Il y a un petit peu tout ce qu'on retrouve chez Picasso, chez Van Gogh, chez Molière, chez Pogba. Bref, des plus grands artistes du 21e siècle. On va quand même faire quelques... Voilà. Ici, là, il faut montrer que c'est des étages, que... Qu'il y a des trucs millénaires qui permettent de retenir la structure. Bref, vous connaissez l'histoire, construit par les Égyptiens en 450 après Jésus-Christ. Bref, le classique, hein, le classique shit. Voilà, comme ça, hop. Voilà, en mode polybridge, là, on est bien. Des barres partout, des barres dans mon pantalon, dans mon slip. On est bien. Voilà, là ça met un peu de structure, tu vois, de renforcement. Et bah écoutez, ça part au four. Envoyez la peinture à Coqui. Et on envoie. Et c'est nickel. Et on va pouvoir aller dans la galerie, exposer tout notre bordel. Oh, c'est quoi ces mails? C'est bon, tu as bien reçu. Il est en parfait état, je crois. Commande, c'est Coqui. Il me faut davantage d'humains, on verra après. Votre célébrité augmente, remarquez. Ah, très bien ça. Encore moins, on s'en branle. Au fait, je suis Sir Magnificent et vous avez immortalisé mon espoir, le souffle furieux de Jupiter. Ok, tableau vendu, art humain vendu, j'ai envoyé le vieux réacteur, Pebot. Ok. Ah, j'ai une nouvelle app maintenant. Oh, c'est quoi ça? Driver, déverrouille les drivers de crypto lui permettant d'utiliser toute la puissance de calcul pour miner des crédits au fil du temps. Cool. Traitement des déchets pour nettoyer les surfaces. Oh, trop bien! De nettoyer surface de votre choix. Oh, c'est trop bien, trop bien, ils ont pensé à tout. On passe très rapidement dans la galerie, on expose ce qu'on a fait aujourd'hui. On en a fait que deux, je crois, mais ils étaient magnifiques. En vrai, je suis pas peu fier. Ils sont dégueulasses, mais je suis pas peu fier. Il y a pire, tu vois. Il y a mieux, mais il y a pire. N'hésitez pas, évidemment, à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, même si sur les réseaux sociaux, partout, sauf dans la rue. Ah, lui, il a du... Lui, c'est au mérite, hein. C'est clairement fait avec le cœur. Avec le cul, j'ai jamais su, mais... Ouais. M'en voir. Oh là là. Ouais, ça claque. Les grands tableaux, ça claque. Hein. Ça prend un temps fou, mais ça claque de ouf. Ça claque comme une petite tape sur les fesses pendant l'amour, tu vois. C'est exactement pareil. Ça, on va la mettre en face. Poussez-vous, j'installe un nouveau tableau. Un nouveau chef-d'œuvre. Et ben voilà. Oh, il est immense. Ok. Parfait, ouais, je sais. Vous voyez, le jeu est très clément avec vous. Hein, vous pouvez... Alors ça, on va appeler ça Gustave, hein, pour Gustave Eiffel, la tour Eiffel. Voilà, nickel, magnifique. On va la foutre un peu comme ça. Voilà, ça se joue très très bien. Découvrez le jeu, sincèrement. Et ça, c'était quoi? C'était... C'est dommage que je puisse pas venir avec mes pinceaux dans la galerie, histoire de retaper, de refaire un peu quelques... De retoucher un petit peu quelques trucs. Ça, on va appeler ça... Sauvetage. Voilà. Sauvetage... Cosmopolite. Sauvetage... introspectif. Voilà. Sauvetage introspectif. Parfait. Vas-y, prends-le. Voilà. Prends-le comme c'était la dernière des... Voilà. Et on le fout là. Allez. Hop, vas-y, prends-le, bordel. Allez, et colle-moi ça là-dedans, colle-la-moi, voilà. Ah, plutôt en dessous, non, il y a de la place, voilà. Voilà. Et bah écoutez, très très beau, ça ira sur la miniature, très très beau, et ça, mon devoir... Très très beau, et bah écoutez, je suis fier de mon art aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait. On ressort et puis on s'arrête là. On se retrouve très bientôt pour l'épisode prochain. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder un peu ce qui se passe sur la chaîne. Je vais tenter d'avancer un petit peu en off, histoire d'avoir un peu d'argent, parce que j'aimerais bien, cher frère, je pensais à quelque chose récemment, tu commences à être un peu connu, c'est bien, je veux dire, c'est tellement bien. En même temps, ça veut aussi dire que mon tableau licorne prend de la valeur, et ça c'est vraiment chouette. Merci Kindle, ok. Petbot, c'est bon, là, pas bien été installé, tout est bon, pas de problème. Oui, c'est parfait, nickel. Et lui, on s'en fout. Parfait, voilà. Sur ce, on s'arrête là.
Gros bisous à tous et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, sinon je vous repeins la gueule comme ce cher Paul Pot, ou je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. Bye bye.